Yeah. Freestyle Friday number 44. E-double. I've been having this need to take it back, so hop in the whip with me and Curtis Blow. Come on. In the front seat, sitting shotgun, sipping Starburst while we bump bop gun on some throwback shit while we toast the night. No goose, motherfucker, we the top guns. So we mavericks, we get blasted. No paling, we failing for Alaska. Cause we cold, even though we're getting warmed up. No breaks while we never get casted. But we stars though, so you know we act proper. Probably good enough to steal a motherfucking Oscar. Rocking speakers, spilling that vodka. It don't make a difference, it was only that pop off. Rail sipping, who the hell is gonna stop us? A big dog when I get a fucking sponsor. 44 weeks later, still popping. If you pick it up, then I promise I'll drop it. Like Wayne did, I'm on the same shit I was back before I ever even had a buzz. And the spectrum still stood, the whack was still wood. Platinum max, the rip tracks was still good. And shit was utopic, so I'm focused and playing for the win, but you can keep that trophy. I don't need no shiny keepsakes. You better back light if you're trying to keep pace. If you're feeling that shit, say hey. Even if you got a red light, still go. Living your life, keep dodging that. When you really wanna take shit, fuck that matrix. Trying to break free, no lines, no tracing. Free form, it was born in the basics. Head in the clouds, so you know where we will take it. Don't pump the brakes. Any lock on the bitches, so we never gonna slip. So don't pump the brakes. Ricky Bobby in the whip, so we never gonna trip. We don't pump the brakes. We might coast for a minute, but we never really stop. So don't pump the brakes. Fuck yield signs, baby, we are off to the races. Time to clean a bob and weave for that American. I need an ally mode, so ditch the heat. Too cold for this stove, you can whip the cream and do it like Wu-Tang did it. Bring the pain with it, blackout, missing red when I came with it. And I push it so hard, put a strain in it. Tell the orthopedists better holler at some painkillers, cause they need that. So let me recap, I'm 410215 in my PCAP. And my O's John, eating Old Bay on a cheesesteak and I'm sipping Moe. Cause this is breakfast, so we mimosa. You think I'm stopping after 1 year, no sir. I'm trying to brave hard like it was my last name. Mr. Wallace smashing pedals in the fast lane. If you want that shit, say hey. Even if you got a red light, still go. Living your life, keep dodging that hey. Why say yes when you really wanna oh. Take shit, fuck that matrix. Trying to break free, no lines, no tracing. Free form, it was born in the basics. Head in the clouds, so you know where we will take it. Don't pump the brakes. Any lock on the bitches, so we never gonna slip. So don't pump the brakes. Ricky Bobby in the whip, so we never gonna trip. We don't pump the brakes. We might coast for a minute, but we never really stop. So don't pump the brakes. Fuck yield signs, baby, we are off to the races. Yeah, Freestyle Friday number 44. Curtis Blow and the brakes and the brakes and the brakes. Right now, I'm just dancing in my mic booth, which doubles as my closet. I got my shoes up on the wall. Yeah! Happy Thanksgiving, everybody. Hope you're doing well. Eat lots of good stuff and celebrate this holiday however you do. And drive very safely. De la génération 2000, une équipe qui initialement était surtout sur Xbox 360, voilà. Qui sur PS3 aujourd'hui a les meilleurs résultats. Ils avaient placé 3 joueurs en finale française et 1 a réussi à accéder à la grande finale. Hey, salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo commentée sur Call of Duty MW3. Alors on est sur la map Terminal OMSR, un bon petit gameplay que je vous avais gardé et que j'avais mis de côté pour vous. Alors pendant ce gameplay j'étais en compagnie des SLB, mais le gameplay n'est pas très très important puisque c'est surtout ce que je vais vous dire qui va être un petit peu intéressant pour vous. Alors, je vais vous parler de deux gros sujets pendant cette vidéo, tout simplement mon partenariat YouTube et dans une deuxième partie, le Paris Games Week. Alors, tout simplement, je tiens à vous remercier aussi pour ma dernière vidéo qui a extrêmement bien marché, mon débat sur l'APP qui a bien été reçu. Je vous en remercie, c'est l'un de mes records au niveau des likes et tout.
Donc je vous remercie, ça fait super plaisir. On voit que les vues ne suivent pas tout le temps et là, voir le nombre de likes que j'ai eu, c'est vraiment un truc de ouf. Merci à tous. Alors on va commencer tout de suite avec mon partenariat YouTube. Alors je viens de passer partenaire avec Machinima, c'est-à-dire que je vais avoir des avantages par rapport à mes vidéos. Et je vais pouvoir vous proposer des choses avec une forme, on va dire, améliorée. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le partenariat ? Alors le partenariat permet de gagner un petit peu d'argent, c'est-à-dire que maintenant quand je vais faire des vidéos, je vais gagner un petit peu d'argent. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer comme toujours, qui vont dire que je fais des vidéos que pour l'argent. Alors vous allez voir que je vais pas du tout changer, c'est juste que maintenant je vais gagner un petit peu d'argent de poche. Franchement, à mon âge, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Et je pense que si vous aussi, vous aviez l'opportunité de gagner un peu d'argent, vous crachiez pas dessus. Vous ne cracheriez pas dessus. Donc voilà, moi, ça me fait super plaisir d'être partenaire. D'autant plus que je fais pas ça que pour l'argent. Sinon, ça se verrait très, très vite. Là, par exemple, je vais vous parler de deux sujets dans cette vidéo. J'aurais très bien pu faire deux vidéos, deux parties, etc. pour me faire plus d'argent. Mais c'est pas mon intérêt, très loin de là. Donc voilà, alors qu'est-ce que m'apporte le partenariat ? Alors tout d'abord, vous allez voir que quand vous allez sur ma chaîne, eh ben, j'ai le droit à une bannière en haut de ma chaîne avec des liens cliquables. Donc vous avez, quand vous cliquez sur mon nom, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous avez la chaîne de Push qui m'a un petit peu aidé pour passer partenaire et je le remercie énormément. Franchement, merci Push, ça fait super plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on a un petit peu d'aide des autres. Et puis voilà. Il y a aussi mon Twitter, mon Facebook, donc voilà, ça c'est un des gros avantages qui rend vraiment ma chaîne jolie, je dois le dire, je suis content d'avoir cette chaîne qui est quand même bien plus accueillante qu'avant. Il y a aussi les imagettes, c'est-à-dire qu'avant YouTube sélectionnait quelques images de votre vidéo et la mettait en avant par cette image, et ben maintenant c'est moi qui me crée mes petites imagettes, donc je mets ce que je veux dessus. Là par exemple vous aurez le logo du Paris Games Week sûrement, etc. Donc ça c'est un gros avantage qui donne beaucoup de classe à la chaîne. J'aurai aussi l'opportunité de vous diffuser des lives, donc des directs à partir de YouTube. Donc ça, je le ferai surtout quand j'aurai ma connexion, histoire de vous proposer du Call of et tout en ligne. Donc peut-être que j'essaierai sur des jeux non en ligne. Mais voilà, donc en gros, le partenariat m'apporte beaucoup de choses. Ça me fait extrêmement plaisir, mais sachez que je resterai le même. Je vais gagner de l'argent, mais c'est pas pour ça que je vais changer. Et sachez que j'ai gagné presque rien au début. Donc si vous cherchez un petit peu sur YouTube, vous verrez les revenus un petit peu. Vous verrez que c'est vraiment rien au départ. Mais bon. Voilà. Alors deuxième sujet de cette vidéo qui est le Paris Games Week. Vous avez vu que j'accélère un petit peu parce que justement, je pense que si je vous fais deux vidéos, j'aurai pas assez à dire. Donc j'ai préféré condenser un petit peu en une seule vidéo. Et comme ça, je suis sûr qu'il n'y ait pas de blanc. Alors déjà, je suis arrivé au Paris Games Week ce matin, parce que je vous parle de tout ça. On est jeudi 1er, et j'y suis allé ce matin donc avec les Nox, j'ai rencontré les SLB, etc. J'ai vu Wartek, donc j'ai pu avoir une photo, etc. J'ai vu The Frag HD aussi, que j'ai aperçu. Donc voilà, d'ailleurs, faut savoir que je suis arrivé à 7h30 le matin, pour être sûr d'avoir de la place, parce que c'est vrai que c'était blindé. Je dois vous avouer que les gens, c'est vraiment des sauvages. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a fait une queue, donc pas très très longue, mais les vigiles ne pouvaient plus contrôler tellement que les gens poussaient, tellement que les gens voulaient rentrer. Et quand on est rentré, sans vous mentir, il y a une fille qui est tombée, et franchement tout le monde continue à courir, elle s'est fait piétiner la peau jusqu'au moment où il y en a deux qui sont tombés, trois qui sont tombés et un quatrième, et la moitié de la queue s'est cassée la gueule. Et personne s'est levé pour aller récupérer la fille, si ce n'est les vigiles, quand tout le monde était rentré. Franchement, des gros sauvages, franchement, ça m'a dégoûté. Mais bon, la journée était cool après, mais faut savoir que les gens, il n'y a aucune pitié, les gens dans la queue, s'il faut faire des tacles, ben ils taclent. Ils en ont rien à foutre, aucun respect. Enfin bref, ça c'est un peu... c'est un peu écœurant, mais bon, faut savoir que moi j'ai fait la queue comme tout le monde. Enfin non. J'ai fait la queue, mais j'ai pas manqué de respect. Enfin, je vous expliquerai tout ça après. Alors, j'ai eu la chance de tester Black Ops 2. Alors, comme je vous ai dit, je suis arrivé très très tôt le matin. Et du coup, tout le monde s'est précipité à la queue de Black Ops 2. Et franchement, en étant dans les premiers, il y avait quand même une heure de queue. Donc, ça a fait que déjà tous les petits de 14 ans ont été virés. Donc, je sais pas si ça a vraiment été fait. Mais ils ont été virés. Et du coup, après, la queue s'est un petit peu
décanté, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on n'a pas attendu longtemps, donc on a eu une présentation trailer, tout ça, des vidéos pour donner encore plus envie de l'acheter, comme si on n'avait pas encore assez envie. Et donc après, on a eu le droit de jouer en multijoueur, donc j'ai fait une partie de Domi et une partie de match à mort, ouais, il me semble que c'était ça. Donc j'ai eu la map Yémen et une autre que je ne sais plus, donc j'ai joué à la MP7, etc. Alors, je dois vous dire déjà que les armes ont l'air bien équilibrées. Franchement, les MP7, la MP7 que j'ai utilisée, bon, elle reste puissante. Mais je veux dire par là que vous tuerez pas quelqu'un aussi facilement de loin avec une mitraillette qu'un fusil d'assaut. Je trouve que, petite mob de SLB au passage, je trouve que les armes ont été un petit peu revues et équilibrées. Un gros travail a été fait sur le son des putains de bruitages. Donc je pense que je vous mettrai des images de la Paris Games Week soit avant, soit après, que j'ai filmé quelques séquences. Donc voilà, Black Ops qui m'a l'air vraiment très bon pour l'instant. Et j'ai eu la chance d'y aller une deuxième fois parce qu'en fait, Lennox a eu un ami qui est venu et il s'avère qu'il était en béquille. Et lui, le FPS, ça l'intéresse pas du tout. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu à la première queue qu'il y a des mecs qui passaient en béquille et qui grugeaient toute la queue. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nos petits malheureux, donc il y en a un qui avait la béquille, on a dit qu'on l'accompagnait, on est passé comme ça, on a évité 6 heures de queue de Black Ops 2 l'après-midi. Et on a évité 3 heures de queue à Halo 4, donc voilà, on n'a pas attendu longtemps, c'est un petit peu dégueulasse, mais bon. Franchement, avec tous les sauvages qu'il y avait au Games Week, si on peut en profiter comme ça, et ben on l'a fait tout simplement. On a également eu, du coup, vous aviez un t-shirt à chaque fois que vous alliez au Black Ops 2, donc j'en ai deux. J'ai eu deux t-shirts, j'ai également des t-shirts... des boutiques, etc., qu'ils ont lancé, qu'ils ont fait gagner. On s'est débrouillé pour en avoir 2-3. Bon, un petit sourire et la dame est totalement tombée sous le charme. Je rigole. On a eu pas mal de réductions. Au lieu de 30 euros de t-shirt, on les a eu à 20 euros. Il y a des t-shirts qu'on a eu 3 fois. On a eu des figurines. On a eu plein de petites choses comme ça. J'ai même eu la chance, comme je vous l'ai dit au début, de voir Wartek. Donc j'ai eu le droit à ma petite photo. Au passage, Wartek, c'est le youtubeur que je préfère, j'ai pas honte de le dire et j'ai pas honte de me faire traiter de fanboy, ça n'a rien à voir, on peut être fan de quelqu'un sans être un kikou fanboy. Alors voilà, c'est pas pour ça que je vais le harceler, que je vais l'identifier dans toutes les photos, bien au contraire. Je mettrai peut-être un petit tweet avec la photo, histoire qu'il voit que ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Donc en tout cas, énorme journée au Paris Games Week, on a pu voir beaucoup de monde. Plein de petites hôtesses bien mignonnes d'ailleurs, où j'ai pris quelques photos. J'ai également filmé parce que comme je monte pas ma tête pour l'instant, et bien voilà. En tout cas, c'était vraiment une super journée de fou où je pensais pas du tout pouvoir jouer à Black Ops et finalement j'ai joué deux fois à Halo 4, pareil, ça annonce du très très lourd. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que les images que je vous ai ramenées seront bien et vous auront un petit peu satisfait pour ceux qui n'auront pas la chance d'y aller ou qui n'ont pas eu la chance d'y aller tout simplement. En tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Le partenariat YouTube, sachez que je vais aussi en profiter pour vous faire gagner plein de petits lots. Je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Sachez, je gagne pas des milliers de dessins et que cet argent il va aussi m'aider à bouffer le midi parce que au lycée et tout, c'est un petit peu la galère des fois. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, je vous ai parlé un petit peu du partenariat et du Paris Games Week. Si vous avez des commentaires, des choses à me demander, n'hésitez pas dans les commentaires, je sais que vous êtes très actifs sur les GM comme sur l'ancienne vidéo, alors on va essayer de battre les 120 likes, je compte sur vous les potes. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Loki, et portez-vous bien, franchement, je suis surmotivé pour faire encore plus de vidéos. Allez, ciao, bye bye les gars.